many can I carry? Four, sir. Slow down, slow down. Relax. Heather? Are you just gonna grab him? You got it? Ah, si seulement c'était passé comme ça. Surtout pour cette pauvre hôtesse. Bon allez, j'arrête de parler d'Iron Man et Marvel, on passe au sujet qui nous intéresse. Déjà, bonjour à tous et bienvenue pour cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, on va parler d'une histoire de malade qui avait fait grand bruit à l'époque. Un vol qui s'est transformé en un véritable cauchemar pour de nombreux passagers. Mais qui finalement se terminera plutôt bien, car on dénombrera un mort et quelques blessés sur 94 personnes. Et c'est vraiment un miracle que cette histoire se termine aussi bien. Allez, je vous raconte tout ça juste après l'intro. Nous sommes le 28 avril 1988. Un Boeing 734-200, comme celui-ci de la compagnie Aola Airlines, s'apprête à décoller de l'aéroport de Hilo pour rejoindre l'aéroport d'Honolulu. L'appareil compte 89 passagers et 5 membres d'équipage, constitués de 3 hôtesses, un commandant de bord et un copilote. Pour vous faire une idée, c'était un petit vol équivalent à peu près à un Paris-Lyon. Au moment de l'embarquement, une passagère remarque une belle fissure sur la carlingue de l'avion. Mais tranquille et zen, elle monte dedans sans être inquiétée. Et elle n'en parlera à personne, pensant que les membres d'équipage étaient au courant. Moi, personnellement, déjà que j'ai peur de l'avion, à sa place, j'aurais jamais mis les pieds dedans. Bref, tout est paré pour le décollage et l'avion quitte la piste sans aucun problème. Tout se passe bien, il prend de l'altitude, quand soudain, arrivé à 24 000 pieds, soit 7 300 mètres, tout part en live. Et c'est le début de l'enfer. Une petite partie du plafond gauche à l'avant s'arrache, ce qui produit une décompression explosive. Par chance, tous les passagers étaient encore attachés à leur siège, ce qui n'était malheureusement pas le cas des 3 hôtesses. L'une d'entre elles se fera littéralement éjecter de l'appareil. Les deux autres auront un peu plus de chance. L'une d'elles sera lourdement projetée sur le sol, mais réussira à ramper le long de l'allée. Et elle fera tout pour rassurer les passagers, alors qu'elle était gravement blessée. Je pense qu'on peut dire que cette dame avait quand même une sacrée grosse paire de couilles. Et la troisième hôtesse, se trouvant elle aussi à l'avant de l'appareil, sera projetée à son tour sur le sol. Et là, ce sont les passagers qui la retiendront pendant tout le temps de la descente. Dans les secondes qui suivent, une partie énorme du plafond avant de l'appareil s'arrache. Et l'avion continue à se disloquer, donc là, il y a vraiment urgence à se poser. Et d'après l'enquête et ce qu'ont rapporté les passagers, ça se serait passé à peu près comme ça. Je pense que si j'avais été dans l'avion en ce moment-là, je me serais littéralement chié dessus. Et pas au sens figuré, hein, au sens propre. La porte du cockpit avait elle aussi été arrachée, ce qui fait que la copilote et le commandant de bord pouvaient tous deux aussi admirer le spectacle. La copilote fera tout pour rentrer en contact avec la tour de contrôle, mais le problème c'est qu'avec le bordel qu'il y avait derrière, elle n'entendait rien, et de même pour la tour. Mayday, mayday, how do you hear me? Il faudra attendre environ 10 minutes pendant la descente pour qu'ils puissent enfin communiquer. Le commandant de bord et la copilote réussiront quand même à poser l'appareil, qui était dans un état juste catastrophique. Au final, on dénombrera un disparu, 65 blessés dont 26 graves, sur 94 personnes. Bon, je vais faire simple et clair, je vais pas rentrer dans les détails complexes de l'enquête. Pour tous ceux qui voudraient des détails approfondis, je vous mets ça en lien dans la description. Le NTBS, qui est le Bureau américain de la Sûreté dans les Transports, lancera une enquête. Celui-ci déterminera que l'accident fut causé en grande partie par la corrosion, car l'avion volait exclusivement au-dessus de la mer, et le sel marin pénétrait les joints, ce qui provoquait la corrosion. De plus, Boeing venait de changer sa méthode de construction, car il s'était rendu compte que ça pouvait amener des problèmes, notamment au niveau des rivets. Le Boeing d'Eola, quant à lui, avait été conçu avant ces changements. Et c'est pas tout, notre avion avait 19 ans au moment des faits, et il était conçu pour faire environ 75 000 cycles de décollage et atterrissage. Or, il en avait fait quasiment 90 000, à force de ne faire que des petits vols intérieurs dans l'archipel d'Hawaï. Au final, la conclusion de l'enquête mettra à jour que les recommandations de Boeing pour l'entretien de l'appareil n'avaient pas été respectées, et la maintenance avait été bâclée. Mais que le comportement des pilotes avait été exemplaire et qu'ils avaient réussi à poser un avion qui était dans un état désespéré. Et la copilote sera finalement promue commandant de bord par la suite.
Essayez d'imaginer 2 secondes ce que ces gens ont vécu. Je pense que beaucoup d'entre eux pensaient que c'était terminé. Tous ces objets qui volaient dans l'appareil étaient éjectés en dehors. Ainsi que les petits morceaux de carlingue qui faisaient que se décrocher pendant la descente. Les cris, la panique, ça a dû être vraiment horrible. Mais bon, contrairement à d'autres accidents d'avion, malgré que nos tests ne s'en soient pas tirés, ça s'est quand même vraiment bien fini. Je suis sûr qu'ils devaient tous avoir leur bonne étoile avec eux. Je reste quand même persuadé qu'un être merveilleux a dû intervenir. C'est juste qu'ils ont dû oublier d'en parler à l'arrivée. Quoi? J'ai dit que je parlerais plus d'Iron Man et de Marvel. J'ai jamais parlé des autres.